sort en courant et vous vous placez juste derrière moi et vous commencez tout de suite avec. Ici, tu fais le tour. Là, je marche. C'est que vous dansez beaucoup sans. C'est pour ça que vous cassez la fille. Il n'y a rien. C'est juste ça, je marche. Mettez des chaussettes. C'est avec le chaussettes. Ouais, donc je marche. Prenez le avec une petite direction. Oui, ça ne me gêne pas du tout. Tandis que les effets de la relativité restreinte deviennent manifestes pour des objets à grande vitesse, la relativité générale s'impose lorsque les corps sont massifs et les distorsions de l'espace et du temps importantes. Prenons deux exemples. Le premier exemple est la découverte que fit en 1916 l'astronome allemand Bruno Collinet en étudiant les équations d'Einstein entre deux calculs de trajectoire d'artillerie d'intermittent du spectacle sur le front russe. Quelques mois à peine après qu'Einstein eut mis la touche finale à la relativité générale, le professeur Collinet utilisa déjà cette théorie pour aboutir à une compréhension précise et complète de la façon dont l'espace et le temps se courbent autour d'une étoile parfaitement sphérique. Depuis le front russe, il expédia ses résultats à Einstein qui les présenta en son nom à l'Académie des Arts de Lunetic. Outre qu'il confirmait et précisait le sens mathématique des distorsions schématisées dans la figure 3.5, voici en noir, je ne sais pas si on voit bien la figure 3.5. Le travail du professeur Collinet, aujourd'hui connu sous le nom de « solution de Coco », mettait en lumière une conséquence stupéfiante de la relativité générale. Les intermittents du spectacle sont en danger. Il montrait ainsi que si la masse d'une étoile se trouve concentrée dans une région sphérique de l'espace suffisamment petite pour que le rapport avec cette masse et son rayon dépasse une certaine valeur critique, alors la courbe résultante de l'espace-temps serait si draconienne que tout corps, y compris la lumière qui s'en approche à l'étoile, ne pourrait être échappé à son emprise gravitationnelle. Puisque la lumière elle-même ne peut s'échapper de telles concentrées d'étoiles, on les baptisa alors étoiles sombres ou gelées. Bien des années plus tard, Jean-Pierre Reyes proposa une dénomination plus explicite. Il les baptisa des trous noirs. Alors vous allez me dire, il reste un cratère. Noir parce qu'aucune lumière n'en est émise. Trou, parce que tout ce qui s'en approche d'un peu trop près tombe fatalement pour ne jamais en sortir. Le nom est resté trou noir. Alors vous allez me dire, il reste un cratère. La figure 3.7 est une représentation de la solution de Coco. Bien que les trous noirs aient cette réputation d'avidité, les objets qui les abordent à une distance raisonnable seraient déviés comme une étoile ordinaire et poursuivront joyeusement leur chemin dans tous les corps. Note A. The sky is likened to an animal. Note B. Subdued vocalization. General translation. The sky is eating and we
whispering. Note A, unable to see the countryside for the mist. Note B, the semen is likened to mist. General translation, mist covering the river or white clay shining like mist. Note A. This crocodile is lying in its nest. General translation, close to the nesting crocodile. Comment, crocodiles are nesting in the banks of our land. General translation, comment. Step by step. She turns her back on them and edges away. General translation, lying between and ejaculating. What? Okay, you start. I start with the light. Yeah, you start with the light, yeah. Okay, I'm a little bit confused. Is that down below? Right here, down here. The light that now increases. Yeah.